par décret numéro 1420 du 30 juin 2020, la nouvelle déléguée des finances et des budgets a pris service ce matin en présence du gouverneur Assantera et des autorités administratives, militaires et traditionnelles de la province. Le délégué des finances et des budgets sortant, Atei Mohamed Nasr, a dit que l'économie mondiale a pris un coup terrible pour lui. Malgré cela, des efforts non négligeables ont été faits par les hautes autorités de notre pays. Le gouverneur de la province du Kanem Assantera a remercié le délégué sortant pour le travail accompli durant les 2 ans qu'ils ont passé ensemble. Il lui a dit qu'il n'a pas failli à sa mission et a fait preuve de professionnalisme et d'esprit de travail d'équipe. Assantera a demandé à la déléguée entrante que, fort de son expérience, il espère qu'elle mènera la délégation à bon port. Une fois installée dans ses fonctions, Madame Bayesem Ne Turkunda Nelem, après avoir remercié les hautes autorités du pays, a dit que pour relever le défi, elle requiert le sens du devoir et de conscience professionnelle de ses collaborateurs dans un esprit d'ouverture. Nommé par décret 14-10 du 30 juin 2020, Ali Ahmad Senoussi remplace à ses postes Mohamed Abakar Kher qui a assuré l'intérim pendant 3 mois. Le délégué des finances et du budget par intérim sortant, Mohamed Abakar Kher, a remercié les autorités locales pour la confiance placée en lui pour assurer l'intérim pendant 3 mois. Il a aussi demandé à ses collaborateurs d'apporter leur soutien au nouveau délégué pour l'accomplissement de sa mission. Installant le nouveau délégué des finances et du budget du Wadaï dans ses fonctions, le gouverneur de la province du Wadaï, Ibrahim Seyd Mohamed, a rappelé au nouveau délégué de se mettre résolument au travail pour relever les défis. Le département dont vous aurez la charge tout à l'heure, monsieur le délégué, est au centre des préoccupations du gouvernement. Le recouvrement des recettes épines dorsales d'une nation bénéficie depuis toujours de l'attention particulière du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Et des moyens colossaux sont mis en place pour le développement pérenne de ces départements ministériels. Le délégué entrant, Ali Ahmad Senoussi, a remercié les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en lui, en le nommant à la tête de cette délégation, et promet s'investir avec abnégation pour la mobilisation des recettes dans la province. La signature du procès verbal entre le délégué par intérim sortant et l'entrant a mis terme à la cérémonie. S'approcher de la population, comprendre les méthodes de fonctionnement, voir les réalités de la province, tels sont les éléments clés pour le gouverneur d'Agoyahoub qui vient de prendre les rênes de cette localité. La rencontre entre dans l'optique de la prise de contact avec les différents responsables, les rappeler à jouer convenablement leur rôle et surtout être acteurs de la justice et de la paix tout en collaborant avec la force de défense et de sécurité. La grande orientation est celle de ramener la population à observer les décisions du gouvernement qui se résument sur le respect des mesures barrières en cette période où la maladie n'est pas éradiquée. Dorénavant, des contrôles inopinés seront effectués dans tous les milieux et des sanctions seront prises contre les contrevenants. Les chefs religieux et traditionnels, les présidents des associations et les organisations féminines, tous sont avisés et désormais porteurs de messages auprès de la population. Une descente inopinée au marché lui a permis de remarquer la négligence de la population concernant le port de Kajni. Pour lui, cette attitude est un facteur de risque. Le gouverneur souligne en passant l'importance de l'entrepreneuriat. Le gouvernement offre aux jeunes et aux femmes plusieurs possibilités d'entrepreneuriat. Dans tous les domaines, j'encourage donc les jeunes et les femmes du Guéra à profiter de cette opportunité à travers les projets de crédit de l'ONAP, l'ONAGES, etc. afin de pouvoir entreprendre les activités qui contribuent à l'amélioration de leurs conditions de vie et à la construction de leur terroir et leur pays. La remise de 3000 cachenets au clan domaine, aux bouchers et aux commerçants a mis terme à la réunion. Ils sont 5 jeunes porteurs de projets dans le domaine de coiffure et moulin qui se partageront les 6 500 000 accordés par l'ONAPE pour le financement de leurs activités.
Soula Tourdina, ancien bénéficiaire, témoigne de l'opportunité qu'il a eue avec l'ONAPE en lançant ses travaux agricoles aujourd'hui comprenant plusieurs cultures. Les nouveaux bénéficiaires par la voix de Wam Siranga Dogobe se disent très heureux et s'engagent à rembourser les 10 crédits dans les délais fixés. Le directeur de l'ONAPE, Sadiq Brahim Diko, déclare que ce prévient en appoint à quelque 330 millions déjà octroyés aux agriculteurs pour sauver la campagne agricole en cours. Sadiq Brahim Diko s'engage à faire de son mieux pour solder les projets bien ficelés, sans discrimination aucune, conformément aux vœux des plus hautes autorités de la République pour satisfaire les besoins de la jeunesse. Représentant le gouverneur Ahmad Mamad Touly, secrétaire général, indique que l'ONAPE met l'accent sur la formation des jeunes par l'octroi du crédit à intérêt zéro pour leur permettre de réduire le chômage, la vulnérabilité. C'est le lieu, dit-il, de rendre un hommage mérité au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, qui, par sa vision éclairée, a fait doter l'ONAPE de fonds nécessaires pour accompagner la jeunesse dans la réalisation de ses projets. Le secrétaire général de la province les exhorte à les rembourser à terme échu pour en faire bénéficier d'autres jeunes.